Et salut à toutes les belles et Marcelino, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais très bien. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je vous fais une vidéo qui s'intitule Rubricus Musicalis. Qu'est-ce que c'est que Rubricus Musicalis? Eh bien, pour ceux qui connaissent, ils connaissent, oui, parce qu'en fait, on me l'avait demandé il y a quelques temps. Sur mon ancienne chaîne, j'avais fait des vidéos qui s'appelaient Rubricus Musicalis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais tout vous expliquer juste après le générique. Allez, générique, c'est parti, let's go! Tiens, tiens, des nouveaux visiteurs et visiteuses sur la chaîne? Alors, bienvenue à vous tous. D'accord, bon, mais il n'y a pas le feu, cool. Mais du calme, Hadès, enfin, il n'y a pas le feu, au moins, pas pour l'instant. Alors, n'hésitez pas à entrer dans mon univers, dans le monde fantastique, merveilleux et fabuleux de... Disney Music Odyssey vous présente... Alors, Rubricus Musicalus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça sera des rubriques que je ferai, on va dire une fois par mois à peu près, ok? Et ça sera en plusieurs épisodes et par saison. Alors quand je dis plusieurs épisodes, c'est simple, ça sera par 10 épisodes à chaque fois. 10 épisodes d'une saison, 10 épisodes de la deuxième saison, et ainsi de suite. Ok. Mais de quoi ça va parler? Eh bien, c'est simple, je vais parler des comédies musicales, comme vous avez pu le voir juste derrière moi. Mais ça, je vais parler des comédies musicales, c'est-à-dire que je vais faire des critiques sur des comédies musicales. Tout simplement, celles que j'ai vues, celles que j'aimerais bien aller voir. Je parlerai aussi notamment des comédies musicales, des albums de comédies musicales. Voilà quoi, tout simplement. Alors, ça sera noté, je tiens à vous dire, ça sera noté. Ça sera noté sur à peu près, on va dire, je vais noter sur 10, tout simplement. Ça veut dire que par exemple, je dirais, ah bah tiens, telle comédie musicale, je la note, je sais pas moi, 8 sur 10. Pourquoi? Parce que je la trouve comme ça, je la trouve comme ça, mais il y a des petits trucs que je trouve un peu bizarroïdes. Vous voyez, tout simplement, c'est simple. C'est très simple. Ça sera noté sur 10. Il y aura un épisode à peu près tous les mois. Voilà, tout simplement. Et chaque saison, parce que ça sera par saison, comme vous pouvez le voir, c'est marqué saison 1, épisode 0, présentation, eh bien, ça sera à chaque fois par 10 épisodes. Chaque fois, il y aura 10 épisodes. Tout simplement. Alors, bien sûr, quand je ferai la critique, je vais critiquer la musique, la comédie musicale, ce que j'en pense. Je vais critiquer le mixage. Je vais critiquer, bien sûr, les artistes. Et je vais critiquer, bien sûr, l'histoire de la comédie musicale et les musiques, notamment. Voilà, tout simplement. Voilà. Eh ben, j'espère que Rubricus Musicalus va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez que de quelle comédie musicale je parle. Voilà, si vous avez une comédie musicale en particulier que j'aimerais que vous voulez que je parle, que je critique. Je tiens à dire que je vais critiquer toutes les comédies musicales. Alors, que ça soit française, d'accord? Que ça soit de Londres et de Broadway. Alors, quoique Londres et Broadway, c'est la même chose, mais bon, certaines, ils ont pas chez l'autre, voilà, tout simplement. Mais on va dire que je passe les Allemands, moi les Allemandes. Tout ce qui est hollandais, je passe aussi, parce que je tiens à vous dire, en Hollande, c'est plus des comédies musicales de Broadway en fait, qui traduisent directement. Voilà. Et peut-être, je parlerai peut-être des comédies musicales japonaises. Alors,
Il n'y a pas beaucoup, je tiens à dire. Chez eux, c'est plus des comédies musicales japonaises, mais des mangas qui traduisent en comédie musicale. Ou alors, c'est plus des comédies musicales de Broadway, ou alors de françaises, parce qu'ils sont très friands des comédies musicales françaises, qui traduisent directement dans leur langue. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ben moi, j'espère que Rubricus Musicalus va vous plaire. C'était juste la présentation. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais que la magie Disney soit en vous à tout jamais et que la comédie musicale soit en vous à tout jamais aussi. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas bien sûr à mettre un commentaire et à vous abonner si cela n'est pas encore fait, hein. Ça coûte rien, c'est gratuit, et à mettre un petit j'aime bien sûr, ça me fera toujours plaisir, et je vous remercie d'avance. Voilà, allez, moi sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, et je tiens à faire une dédicace à Hello Disney, voilà, qui est une chaîne YouTube spécialisée dans les comédies musicales, mais vraiment spécialisées. Là, c'est le roi de la comédie musicale, c'est The King of Musical. Hein. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle sera dans la description si vous voulez avoir plus d'informations sur les comédies musicales. Alors lui, c'est plus spécialisé dans tout ce qui est Broadway, hein, que moi, je suis plus polyvalent, on va dire, dans la spécialisation. Lui, il est vraiment, vraiment, vraiment spécialisé dans tout ce qui est Broadway, Londres. C'est vraiment le meilleur des meilleurs. Ouais. C'est the best in the best, quoi. Voilà, quoi, tout simplement. Et le Broadway, si tu me vois, bah, je te fais une grosse dédicace aussi. Voilà, quoi, si tu regardes cette vidéo. Le lien de sa chaîne sera dans la description, bien entendu. Allez, moi sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde. Salut. Bisous. Ciao. Salut.